J'attends ton comme ça. Pardon, bonjour. Un petit filtre à ta, un peu non. On va mettre le filtre à ta. Bonjour tout le monde. Bonjour depuis Washington. Je suis depuis Washington. On va mettre la chinoise ici. C'est trop blanc, non? Bon. Voilà. C'est tellement blanc. Oh là là. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour les cœurs. Bonjour, c'est la reine mère. Flore de Lille depuis les États-Unis d'Amérique. J'espère que vous allez bien ce matin. Ouais, arrêtez de m'appeler. C'est comment? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Aujourd'hui, là, c'est l'avertissement seulement. C'est comment? On m'appelle. Les gens ne font que m'appeler. Vous m'appelez. Il y a quoi? Bonjour les cœurs. Bonjour les abeilles. Bonjour la team. Bonjour la TKC. Bonjour aux autres teams. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. Liberté la sensuelle, celle qui m'a vue, ma copine d'enfance de Lille. Bonjour à tout le monde, bonjour à Washington DC, bonjour à Maryland, bonjour à tous les habitants de Atlanta, dont je suis en tournée américaine. En fait, c'est une mini tournée américaine, parce que en février, je reviens aux États-Unis, mais pour une croisière aux Bahamas. Et puis, cette année, on prépare l'anniversaire de la reine mère en septembre. Donc, l'anniversaire de la PDG internationale en septembre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est le matin, hein? Donc il est... Enfin, c'est pas le matin, il est 11h. Je vais être à l'aéroport. Donc, hier, je me suis trompée. En fait, comme dans la boisson, l'alcool, je me suis trompée 2 jours. Donc, du coup, je pensais que hier était jeudi. Je me suis pointée à l'aéroport alors que c'était aujourd'hui. Vous voyez, quand vous dormez beaucoup, vous buvez le vin. Je me suis trompée, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis revenue. Donc, je suis à Maryland. Alors, je tenais encore à remercier parce que les États-Unis, pour moi, cette fois-ci, a été un moment vraiment inoubliable. C'est la première fois que j'arrive aux États-Unis, j'ai autant de choco. Je ne vais pas vous mentir. Je voudrais remercier tous ceux qui m'envoient le zèle avec l'autre là. Tous ceux qui m'envoient le choco. Parce que je suis votre star, je suis votre reine mère. Si je ne tape pas le salam, je vais manger quoi? Entre nous. Donc, je voudrais vous remercier pour tous les ailes que vous m'envoyez sans me connaître. C'est même parce que je suis votre patronne. Parce que je vous donne la joie de vivre et je passe des bons moments, je donne des conseils, tout ce qui va avec parce que vous m'aimez. Vraiment, merci. C'est la première fois de ma vie que j'arrive aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit dans la vie que il faut se séparer de certaines personnes pour que notre vie avance. Je suis aimée et je vous remercie. Ça continue seulement de tomber. Vraiment. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne peuvent pas me rencontrer, pour ceux qui ne peuvent pas penser qu'il y a Noël, moi aussi je dois rentrer, faites bien Noël, non. Donc il y a Zelle. Et là où on envoie l'argent aux États-Unis, là. Je voudrais encore dire à la TKC, vous avez votre patronne à qui est Maman Perpé, qui a Gagou. Vous n'envoyez rien pour elle, pourquoi? Aucune TKC ne m'a encore envoyé quelque chose pour la star. Ce n'est pas bien. Je suis, hier j'étais à DC, vous savez qu'en ce moment, il y a 49 chefs d'État aux États-Unis pour la conférence internationale, vous voyez. Donc, j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion de saluer les chefs d'État. Voilà, j'ai salué les chefs d'État. J'ai salué la première dame du Cameroun. Bonjour, maman Chantal Biya. Bonjour, papa Paul Biya. Bonjour, le père. Bonjour, je te salue. Donc, depuis que j'ai salué la première dame, je ne me lave pas. J'ai salué la première dame du Cameroun. Eh, hey, Seigneur! J'ai dit que j'ai salué la première dame de notre pays, maman. Maman Chantal Biya, douce.
Je lui ai parlé de Maman Perpé. Elle m'a dit de te saluer, Maman Perpé, de bien te saluer. Oui. Il faut voir. Maman, les États-Unis, si haut. J'étais à la Maison Blanche. Voilà les preuves. J'ai même mangé avec Donald, avec Joe Biden. J'étais à la Maison Blanche aussi. J'ai salué la Joe Biden par la fenêtre. Voici ça, par les photos. Et puis les sales filles de Meng vont venir me parler comme si c'est que eux et moi c'est pareil. Atlanta m'appelle. Ils ont peur que j'ai raté mon vol. Attendez. Maman, les gens d'Atlanta m'appellent. J'espère que je ne me suis pas trompée. Attendez un peu. Allô? Allô? Hi. Good morning. Are you? Hello, my dear. How are you? I'm doing good. Silly, huh? Yes, silly fine. Yes, sleep good. So in my flight in the 2 o'clock. Now so it day. Yeah. 2 o'clock. Ah. I just did think of the forget. Thank you. 2 o'clock. Yes. So I go. Surtout que c'est très important. Oui. Oh là là, je fais la reine m'a fait le régime hein. Moi, je mange la salade. Comment? La reine m'a fait le régime. Une bonne sauce gombo, là, bien tapée. Ouais, pourquoi j'ai mangé la sauce gombo comme ça? Non, ne te dérange pas. Quand je vais arriver, là, non. Quand je vais... Mm-hmm. Oui. Ah, ouais. Ah, ouais. Le poisson, c'est mieux, non? Le poisson braisé, c'est mieux. Le samedi, il y a le... Mm-hmm. C'est ça qu'on appelle meet and greet, c'est ça? D'accord. Le saumon. Ah, les choses des blancs, là, ma. Le saumon. Non, dis que, fais-moi le gombo. Le gombo avec le tapioca. Tapioca, non? Ou bien le couscous. Une boule. Non, mets tout ce qui fait comme le. Mets tout les gens deviennent. Il y a la poule. Le poulet. La poule, non. Ce qui est dur là. Poulet dur, voilà. Oui. C'est que je ne suis pas compliqué. Hein. Mm. Oui. Je vais manger ça. Oui, je mange. Hey, je mange le poisson fumé. Oui. Ah bon, hein? Non, dis qu'on ne met pas. Si tu ne vas pas manger, ça, c'est pas grave. Ah, elle met le mbunga, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Mm-hmm. Good. So, demain, notre programme aujourd'hui, c'est quoi? On fait quoi? On va chez Coca-Cola aujourd'hui. On visite Google. J'arrive tard. Demain. Ok. Après, c'est pas trop important. Tu sais que je dois revenir ici, là, samedi, après le dîner. Voilà. Thank you. Thank you, ma dear. Thank you. Yeah, thank you. Non, ne te dérange pas. N'importe quoi qu'elle fait, je vais manger. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas compliquée. Mmh. D'accord. Bah, où tu vas me déposer? J'arrive à quelle heure? On mange ensemble. Ce serait bien. On mange ensemble, c'est mieux, non? Il faut qu'on mange ensemble, ouais. Mm-hmm. Et puis, il y a les gens d'Atlanta qui me demandaient, ouais, ma foi, est-ce que je peux venir? Je leur ai dit que c'est privé. Peut-être même 2 personnes. Oui, bon, je vais leur dire de me trouver à mon hôtel. Parce que c'est private. C'est pas une soirée. Il y a une dame, il y a peut-être 3 personnes... 3 personnes, mais c'est mieux tes gens que tu connais de vrai que tu as invités. Ben, ce sont des gens bien, ouais. Facebook, non.
Non, ce sont des gens bien. C'est des personnes que je suis déjà venue aux États-Unis. On s'est vu, il y a un monsieur. On l'appelle la montagne. Un monsieur. Tu le connais? C'est un anglophone. Ah. Ah, pas avec les Camerounais, d'accord, tu as raison. T'inquiète. Ok, je vais leur dire si on va se voir à l'hôtel, à mon hôtel. Trois personnes, oui, pas plus. D'accord. Ok. C'est que j'ai personne, d'accord. On va, t'inquiète, ils vont venir. On va. Tu sais que les gens n'ont pas beaucoup de temps ici. On va d'abord les passer au scanner. Les gens travaillent beaucoup. Non, j'ai confirmé que les gens travaillent aux États-Unis. Parce que hier, quand j'étais à la Maison Blanche, il y avait les gens des pays qui sont venus faire la marche. Je voyais seulement les deux, trois personnes. J'ai dit que, mais, donc les gens se tapent le tam-tam, ici à la Maison Blanche, il n'y a personne. C'était les Africains qui sont venus, ou bien du Tchad, ou des pays en Afrique où il y a la guerre, là. Et ils sont venus faire la marche, ils nous voient là, ils disent que vous êtes venus marcher. J'ai dit que non, je suis venu pour voir la Maison Blanche. Ils disent que, mais, pourquoi les gens ne viennent pas marcher? Je dis que, mais aux États-Unis, on dit que les gens travaillent. Il n'y avait que deux personnes. Je te dis, vraiment, c'est incroyable, hein? C'est terrible. Il y a les Chinois, chacun sortait son drapeau, là. Et la police a dégagé d'abord tout le monde. Mais les Américains sont sauvages. Hein. Ils sont vraiment sauvages. Je te dis, la police américaine. Ah! Non, je pense pas, c'est temps. Ils se sont levés, allés se mettre comme les présidents passent là-bas. Là. Et puis, il faut avoir le temps pour aller marcher, non? Les gens travaillent au dollar. Is dollar. Tant is money. Ah, je te dis. Non, j'ai confirmé. S'il restait même là-bas, un ministre allait même me saluer. Parce que vous voyez seulement les grosses voitures qui s'arrêtaient pour venir se filmer devant la Maison Blanche. J'ai aussi fait genre, non? Ah, maman. Est-ce que j'ai laissé les. Il y avait les CNN là-bas. Maman, je suis passée à la télé. Attends, je fais le direct. Et... Je suis passée à la télé, maman. Bien sûr, j'ai save, j'ai save. Non, je ne peux pas connaître et je n'aime pas trop prononcer les gens, les noms des personnes que je connais. Ah, c'est un faux profil. Ah, d'accord. Ok. En fait, quand je suis en direct, il y a beaucoup de gens qui commentent, ce qui fait que je ne vois pas forcément. Tu vois, c'est après souvent que je vois. Ça passe vite, en fait. Ah, you welcome. Thank you, baby. Etienne, vous venez à l'aéroport, non? Il y aura qui? D'accord, pardon, soyez seulement à deux. Quand il y a trop de gens, je suis stressée. Pardon, j'aime pas quand il y a trop de monde, ça me stresse beaucoup. D'accord. S'il te plaît. C'est pour ça que je ne dis même pas l'heure que j'arrive à Atlanta pour que je ne vois pas les gens à l'aéroport. D'accord, maman. Non. Et puis ici, là, les gens travaillent même. Pour que quelqu'un vienne attacher, il faut vraiment t'aimer. Parce que ici, là, les gens, ils travaillent. Tous ceux qui viennent là, c'est vraiment l'amour, hein. Je te dis, les gens cherchent l'argent ici, grave. Ouais, je te dis. Hey, thank you. Thank you, ma. Thank you. Ah, oh, il y a une personne qui m'appelle là. Il y a une personne qui m'appelle des États-Unis. Je prends. Oh non, je ne vais pas rater. T'inquiète. Maintenant, je me lève très tôt. J'ai un appel là encore. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ma reine, mais n'oublie pas ton heure de départ. Vous, les abeilles, tout le monde me dit. Ouais, les abeilles. N'oublie pas ton heure. D'accord. Non, je serai à l'aéroport alors. Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi? J'espère que tu as bien dormi. La maquilleuse, je l'ai eue déjà. Elle passera samedi à 22h pour me maquiller pour la soirée. Je t'embrasse à tout à l'heure. Voilà. Désolée, hein, vous savez, maman,
Merci beaucoup de m'avoir attendu. Vraiment, merci infiniment. Merci les cœurs. Merci, merci la team. Vraiment, merci la team. Merci la team des États-Unis. J'ai compris que ce pays, vraiment, c'est un pays porte-bonheur. Parce que je le ressens sur moi avec tout ce que les gens m'envoient. Vraiment, je le ressens. Les États-Unis, vraiment, c'est un pays de troisième chance même. C'est-à-dire que si tu as raté ta vie une fois en Belgique, tu as raté en Allemagne, tu as raté en Angleterre, tu as raté en Afrique, aux États-Unis, tu réussis ta vie. Je vais finir par m'installer ici. Si je trouve un bon mari, pour devenir femme au foyer de ça. Porte-bonheur, depuis que les brossangues sont sortis derrière mon... Je dis que je rentre avec un sac. C'est Dieu qui donne. Merci. Je tape le sang. Pour une fois, les gens ont reconnu que je suis une star. Je voudrais remercier Lati, le président Lati, avec son ami, dont je ne vais pas citer le nom, parce que je n'ai pas envie de citer les noms des gens. Après, on dit que j'ai cité les noms des gens sur Facebook. Je n'aime pas trop ça. Je remercie Lati, le journaliste, avec toute son équipe de l'Africa Foot. Je remercie Mamish d'Ouganda, de Maryland. N'oubliez pas, dimanche à 19h, au Ouganda, à Maryland, chez Mamish. Je vais leur laisser le numéro. Il faut appeler pour réserver. Il y aura Meet and Greet of the Mafo. Nassau idée, parce que je rentre sur Paris. Lundi, meet and greet, on de farotage, on de mafo. Nassau idée. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? Si elle ne dit pas merci maintenant, je vais encore dire merci quand? Merci à la population de Washington. Merci à tous les États-Unis. La reine mère va distribuer le jujube dimanche. Je vais vous donner le jujube porte-bonheur pour la nouvelle année. Regardez comment j'ai changé, comment je brille. Est-ce que je suis encore dans les problèmes? Non. Atlanta, on va distribuer le jujube. Ceux qui seront là, je vais donner le jujube. Jujube de bénédiction. Parce que je suis un enfant béni. Porte-bonheur. Je vais vous remercier. Même à la première dame du Cameroun, j'ai remis le jujube. Elle a prié, elle a dit merci ma fille. Merci ma fou. Vous voyez une fille comme moi que la première dame du Cameroun appelle ma fou. Oui. Elle m'a dit de ne plus me mélanger à la racaille de Facebook. Elle a dit que tu es aimé, on t'aime. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis allée applaudir l'autre jour. Voici ça, okay. Voici ça. J'étais à la Maison Blanche. Il y avait les snappers partout. Les snappers. J'ai chanté, il y avait l'hymne national du Cameroun. Dès qu'on m'a vu, on a lancé l'hymne national du Cameroun. J'ai commencé à chanter. It's de ma country. Voilà ça, non? On parle avec les preuves. Est-ce que c'est que les sales filles de Paris, là, avant de me parler, il faut d'abord venir aux États-Unis. Hein. Une fille comme moi qui a salué la première dame, vous croyez qu'elle veut me mélanger encore à la ratatouille? Là, ça. J'ai salué, voici ça. Voilà ça. Maman, les ministres s'arrêtent, ils se filment devant la Maison Blanche. Oui. Maman, quand tu parles français, tu es seulement. Maman, quand les Français, ça donne les points jusqu'à. J'étais seulement là. Je parlais français, maman. Même les Américains étaient étonnés. Les gens, j'étais à la Maison Blanche. Voilà ça. À la Maison Blanche. The White House. Quand je vois les sales filles qui n'ont jamais pris l'avion, parler à Mafo. Mafo devant la Maison Blanche. Mais j'ai quand même pompé ici. Je suis venue pomper. La Maison Blanche. Oh, vraiment, Fleur de lys, tu es vraiment une star. Jusqu'à ce que tu salues Donald Trump. Il n'est même plus au pouvoir. Tu salues même déjà, même. Vous êtes pressé que je parle. Je vais parler. Je perds le temps en attendant que Koffi Olomide se connecte avec Fally. Pourquoi? Il faut bipper Fally, les managers, Feringola, tout ça. Je ne parle pas encore aujourd'hui parce qu'on est en train de trop m'appeler. C'est pour ça que je ne parle pas. Voici devant la Maison Blanche. Regardez, On chasse la les Maison gens pour Blanche. saluer le président. On chasse même les gens, maman. Voilà les snappers. La toiture, maman, les snappers. J'ai chanté ce que j'ai dit qu'une de ma country.
J'ai dit que c'est de mon pays, maman. J'ai reconnu que c'est le Cameroun. J'étais fière. Ils ont de ma compte. J'étais à la Maison Blanche dès qu'on m'a vu. Dès que je suis arrivée, on a compris que je suis l'enfant de Paul Biya. Je suis née en 1979. On a lancé les. C'est un Américain, il a sa radio. Ceux qui chantent là, il a lancé l'hymne du Cameroun. C'est notre hymne national. L'hymne national du Cameroun. Laissons tout amour. Le service, que ce soit le seul but. Au Cameroun, voilà ça. J'ai dit que il est hymne national of de ma country. Quand tu reconnais ton pays, il faut accepter. Je suis franco-camerounaise. J'ai reconnu l'hymne national du Cameroun. Et c'est un Américain qui a mis sur sa radio. Il est là-bas, il tape le salam. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai confirmé qu'aux États-Unis, les bêtises que les gens font en Europe, là, il n'y a pas ça ici. Les gens travaillent, maman. J'ai vu les gens qui viennent marcher, ou les Chinois, ils sont devant la Maison Blanche avec les drapeaux. Et les Africains, ils n'avaient même pas... J'ai dit que les gens ne gèrent même pas que aller marcher pour l'Afrique, c'est monté, c'est descendu. Jamais. Chacun cherche sa vie. Il y a les snaps, tu bouges, on tire. Ce n'est pas les conneries que les gens sont en bain. Ils font que quoi, là. Non, je n'ai pas mis le filtre, là. Mais Jean, je me suis connecté là, tout de suite, pour seulement parler à un grand artiste que je salue. Bonjour le grand Mopao, bonjour le grand, bonjour la légende d'Afrique. Je viens de recevoir beaucoup de coups de fil. Voilà pourquoi je ne veux pas parler de vous aujourd'hui. Monsieur la légende Kofi Olomide et ses gens. J'ai beaucoup de respect pour vous. Le Cameroun vous aime beaucoup. Le Cameroun vous aime, l'Afrique vous aime. Vous êtes une légende. Ne salissez pas votre nom. Ne salissez plus votre nom. Je n'ai pas envie de parler de vous depuis. Mais je me sens obligée encore de venir dire que je vous donne 2 semaines pour rembourser les 100 000 $ d'une Camerounaise que vous aviez mangée avec votre équipe. Monsieur Kofi Olomide, l'artiste des Africains, vous êtes un grand homme. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. C'est vous qui portez les valises d'argent des chefs d'État en Afrique pour traverser avec. Vous portez l'argent des ministres, vous traversez avec. Vous portez l'argent des chefs d'État en Afrique, vous traversez avec. 100 000 $, vous allez salir votre nom pour 100 000 $. C'est comme l'argent pour acheter le pain. C'est comme l'argent pour acheter le pain chargé, pour acheter... La chikwanga, 100 000 $ pour vous, c'est comme une petite somme pour acheter la chikwanga. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Parce que la dernière fois que j'ai voulu parler de vous, vous avez dit que non, il ne faut pas que Flo parle de moi, j'ai déjà trop de problèmes comme ça. Vous savez que vous avez trop de problèmes. Ça serait honte pour vous de venir verser votre vie comme ça sur Facebook. Vous avez des problèmes. Vous avez trop de problèmes avec la justice. On ne veut pas rajouter vos problèmes. Et je tiens à rappeler aux gens qui pensent souvent que, sachez que nous sommes en Europe.
Et que ici on ne connaît pas que tu étais l'artiste, tu étais... Ici, même les présidents vont en prison. Ici, on ne gère pas ça. Voilà Kofi Olomide qui a été expulsé des États-Unis, là. Je n'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée. Angelou Central, je ne veux pas entrer dans ta relation avec Kofi. Je ne veux pas entrer dans ta relation avec Kofi parce que vos doubles vies, là, je ne veux pas entrer dedans. Dans vos relations, on se comprend. Il faut rembourser l'argent parce que c'est moi qui étais devant. Mes chers frères et sœurs, le problème, c'est que c'est moi qui présente que Kofi, je vous explique un peu en gros. Et je vais dire à monsieur Kofi Olomide que vous êtes riche. Vous êtes multimilliardaire en Afrique. Vous êtes milliardaire. En Europe, vous êtes millionnaire. Qui ignore que les ministres en Afrique vous donnent les sacs, les valises d'argent. Vous traversez partout dans le monde avec. Puisque tous les voleurs ministres et les présidents d'Afrique, ils ne peuvent pas manger. On ne mange pas l'argent en Europe comme ça. L'argent liquide, ils ont l'argent liquide dans les maisons, mais ils ne peuvent pas dépenser. Parce qu'en Europe, pour dépenser, il faut justifier. C'est pour ça que vous passez votre temps à dépenser n'importe comment, à monter, descendre, mais vous ne pouvez rien faire vraiment de ici en Europe avec votre argent parce que le jour qu'il y a problème, on saisit. C'est comme ça que le blanc fonctionne. Mais quand même, Kofi Olomide, c'est un artiste qui est le grand. Il marche, il parle avec tous les chefs d'État, les plus grands footballeurs. 100 000 dollars, c'est quoi pour lui? Une Camerounaise pleure son argent qu'elle a dépensé. Monsieur Kofi Olomide, je ne veux pas mettre vos voices. Je ne veux pas mettre vos voices. Hein. Je n'ai pas envie de vous souiller. Oh. 2 semaines, vous remboursez l'argent. Vous étiez aux États-Unis, vous avez été exclusé. Parce que la plainte vous attend. Hein. Une fille a pris les dettes, elle s'est endettée avec les partenaires. J'ai les virements bancaires sur un compte en France. Toi et ton complice, parce qu'Angelus... Angelou égale Kofi Olomide, c'est sa personne. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que j'ai dit que la vie privée des gens, ce n'est pas ça. Nous reclamons Angelou, c'est la personne de Kofi Olomide. Et c'est moi qui mets en contact, hein, parce que c'est mon ami. Je ne nie pas. Je ne veux pas entrer dans les choses privées. Parce que moi-même, j'ai ma vie privée qui n'est pas trop claire. Je ne veux pas entrer dans la vie privée de Kofi. Je ne veux pas entrer dedans. Moi, je demande seulement que Kofi Olomide doit comprendre les pleurs parce que lui, il est milliardaire, il est riche. Il ne souffre pas pour gagner sa vie. Il ne manque de rien. Il entre dans un magasin ferme, il dépense même 200 000 euros, il sort. Une Camerounaise pleure son argent. Une personne qui fait le Ndjormassi, qui fait les tresses, qui fait le Ndjormassi aux États-Unis, qui travaille sans dormir parce que dans ce pays, les gens travaillent sans dormir. Kofi Olomide doit rembourser. Pourquoi je viens parler? Parce que c'est moi qui fais, c'est moi qui mets le contact. Vous savez, moi j'ai dit que les gens qui m'approchent pour commencer encore à parler que Fleur de Lille, je vous explique. Quand le monsieur soi-disant président de Paris là, bon, je ne vais pas dire, quand il dit soi-disant, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a déçu. Donc, je vous raconte, parce que même Kofi, j'ai même les voices de Kofi. J'ai ses voices, même ses pleurs. Quand la dernière fois, il voulait parler son nom sur Facebook, il a dit que il ne faut pas que Fleur de Lille prononce mon nom. C'est pour ça que je ne veux pas entrer encore. C'est pour ça que je laisse encore. Je n'entre pas dans le détail. Mais si dans 2 semaines, il ne réagit pas, je vais entrer dans le détail et on va parler de lui tous les jours sur Facebook. Et rien ne va me faire. Mes chers frères et sœurs, un jour, je suis restée comme ça. Et puis, mon expert, il m'a fait part de son projet qu'il voulait faire son anniversaire de mariage. C'était quelque chose qui était une surprise. Je lui ai proposé Fally. Il a dit que si tu veux Fally, pour pas tout ça. Il m'a dit que non, Kofi, ouais, s'il pouvait avoir un contact de Kofi, s'il pouvait savoir comment faire pour que Kofi soit, parce que son rêve, c'est d'avoir Kofi dans sa chose. Je lui ai dit que... Et il m'a fait part qu'il avait demandé à quelqu'un d'autre, Kofi. On lui a demandé où c'est 30 000 euros. J'ai dit que oh, 30 000 par rapport à quoi, c'est beaucoup. Il a dit que je connais les relations de Kofi. Laisse, t'amène Kofi.
C'est comme ça que j'ai mon ami qui marche avec Kofi Olomide tous les jours, ils sont ensemble. Qui est son fils? Son fils que son enfant. C'est comme ça que je dis à mon ami là que, ouais, il faut que j'ai mon expert là, il veut faire l'anniversaire de son mariage, pardon, il faut que Kofi Olomide et tout, comme tu es ma personne, il veut que Kofi soit là. Il me dit que, ma faut comme c'est toi, hein, Kofi va venir. J'ai dit que, ouais, pardon. Dis-moi comment allons on va faire. Il dit que non, Kofi va venir. Et c'est comme ça que je leur ai donné le numéro de mon expert. J'ai dit que, pardon, faites tout pour que Kofi vienne, parce que ça va faire un boum. Vous savez, Kofi, c'est Moupa, ouais. Kofi, c'est pas n'importe qui. Hein. Kofi, c'est Kofi, hein. C'est une légende. C'est comme ça que j'ai dit à mon ami là que fais-moi plaisir, ma personne. Pardon. Je veux que Kofi soit là. Parce que, comme moi, j'ai le contact des vrais managers, pas le contournata pour arriver aux vrais artistes. Je lui ai même dit que même Fali. Mais comme Fali n'est pas ami avec, tu voyais un peu, j'ai dit que non, Kofi. C'est comme ça que j'ai donné le contact. Comme on avait taxé cher là-bas, c'était le contournata pour arriver à Kofi Olomide. Je lui ai donné le contact direct qui arrivait directement à Kofi. Même Kofi voulait même faire gratuit. Oui, Kofi voulait, parce que Kofi c'est quelqu'un qui est très gentil, hein. Kofi Olomide, hein. C'est une personne qui peut même venir chez toi, Njo. C'est pas comme si... Ce sont les gens qui sont autour de lui qui mangent même les dos. Parce que Kofi Olomide en lui-même, c'est un père, c'est quelqu'un qui est généreux. Donc, déjà même pour que Kofi... Ils m'ont dit que bon, si c'est seulement pour aller chez Kofi, pour que Kofi aille chez lui, non, pour faire un truc, on ne prend pas les dos. J'ai dit quoi? Donc, si j'étais une escroc, j'allais dire à mon expert que donne-moi ceci, je fais Kofi, viens chez toi, fais un tour. Et puis c'est bon parce que Kofi était capable de venir même Joe. C'est un père, il est à Paris, des fois il a envie de se balader. Mais comme c'était dans une salle. Et le problème c'est que quoi? Le montant même qui a été donné, Kofi ne connaît pas. Parce que j'ai Kofi ne connaît pas. Tu sais que Kofi c'est quelqu'un qui est gentil. Quand il avait ses enfants là, si par exemple il te dit que je dis que, par exemple tu dis que Mafo, accompagne-moi, je viens non? Mais tu as pris les dos là-bas, il ne connaît pas. Donc, Kofi ne sait même pas combien mon expert avait donné. Kofi n'a jamais reçu le montant là. Parce que même le montant là de 17 000 euros là, ce n'est même pas la vérité. C'était seulement pour faire genre comme si ils ont trop payé l'argent à Kofi Olomide. Ça n'a jamais été 17 000 euros pour que Kofi vienne passer là. Oui, ça n'a jamais été ça. C'était seulement pour faire le bruit. C'était seulement pour faire le bruit d'une joker. Le gars a dit que ma faute, c'est toi, non, j'amène Kofi. Mais comment on voulait faire genre sur les champs, Kofi est venu. Il y a plein d'artistes qui me demandent souvent que ma faute, c'est how, non, fais-moi go là-bas, non. Comme c'était ma relation. Dans l'affaire, quand on a payé 17 000 euros à Kofi, là, ça n'a jamais été ça. Voilà donc, y'a. Quand vous avez vu Kofi arriver, il a chanté. Il venait seulement comme quelqu'un peut venir à un anniversaire. Et Kofi avait dit qu'il ne veut même pas qu'on ait que il va venir. Parce qu'il ne faut pas que les gens d'Nkintankunte là, des Congolais d'Nkintankunte, qui cherchent les problèmes partout là. Comment on les appelle? Les Congolais d'Nkintankunte, les signeurs là, non, qui signent partout là. Ils sont comme la basse, mais ils sont plus forts que là-bas parce qu'on ne négocie rien avec eux. Les Nkintankunte des Congolais. Kofi avait dit que je vais venir, mais je ne veux pas qu'on sache que je suis là. Donc, pour être honnête, on n'a pas payé Kofi, il est parti un jour. Il est seulement allé comme ça. À mon nom, il est bon jour. Vous avez compris, non? C'est de ça qu'il s'agit. Kofi n'a jamais touché, parce que, Kofi n'a jamais touché 17 000 euros. C'est quelqu'un qui est généreux, il est gentil, même Fali. Des fois, hein, si c'est un truc, aller à la piole qu'un artiste, c'est un genre, ce n'est pas comme s'il vient, non. Est-ce qu'ils prennent l'argent partout, non? Donc, Kofi, on n'a jamais donné le montant là à Kofi. Ça n'a jamais été ça. C'était le gratuit. Est-ce que quand il est arrivé, il a chanté? Puisqu'on lui a dit que c'était juste un anniversaire qui fait l'apparition, il repart. Est-ce qu'on paye l'autre là? Est-ce que c'était que Kofi a dit que non, ça va? C'est pour ça qu'arrivé là, il ne voulait pas lui chanter parce qu'il ne faut pas qu'on ait que... Lui-même, il ne sait pas
C'est sûr qu'on a pris, quelqu'un a peut-être pris les dos, mais lui-même, il n'a rien eu. Lui-même, il n'a rien eu, hein. J'ai tout. Il n'a pas eu les dos. Il est venu comme un père, comme tu peux venir à la chose de quelqu'un qui est... Flo, je dis, ok, je vais faire l'apparition, mais pas de publicité. Puisqu'il y avait encore les Kintankoute dehors, partout, partout, là-bas, on guettait s'il y a les Kintankoute qui vont bagarrer les Congolais, là. C'est pour ça qu'on n'avait pas parlé de ça. Kofi avait dit que condition, il va faire un tour, il n'y a pas de problème. Mais, s'il vient, il n'y a pas d'affiche, on ne dit rien. Mais comme les gens là aiment trop, ils avaient là dit aux gens que Kofi sera là. Vous comprenez, non? Même le jour là, le 9 devait être là. Mais comme dans la salle, le 9 avait dit qu'il venait. Mais dans la salle, il y avait ses ennemis. Il y avait ses ennemis qui ne parlent pas avec eux. Donc il avait envoyé une personne guetter d'abord que il y a les qui là-bas dans l'anniversaire. Quand ces gens sont venus, le 9 des 9, oui, le 9 Samuel Eto'o, est-ce que il était, ses amis sont, on l'avait invité. Il a dit qu'il venait, il a dit qu'il devait être là. Sur même le jour où il était à Paris, on l'a appelé, il a dit que oui, je serai là et tout et tout. Mais après le soir, il a d'abord envoyé ses rouperos pour guetter. Donc, dans la salle, il y avait les ennemis du grand neuf. Il a dit qu'elle dort. Puisque, comment on était là, je faisais le direct, non? J'ai lancé le direct pour filmer. Il a dit, ah, il y a télé. J'étais là, moi, je bois mon vin, je filme partout. Il a dit que, d'accord, dans ce cas, il ne vient plus. Il y a mes ennemis là-bas. C'est comme ça qu'il n'est pas lui venu. C'est comme ça que Kofi est venu. Même la star, elle dit, pense à chanter le Ndjor. C'est la belle sœur, non? Quand on parle souvent, les choses sont gonflées, les chiffres, vous croyez que c'est ça? Nous, on parle souvent, les chiffres, c'est même pour faire, pour dire que quelqu'un a les dos. Parce que nous sommes, j'étais une ancienne Rupero. Que, juste pour dire que, c'est un Ndjor. Kérosène, ce n'était même pas le montant, là. Ce n'était pas ça. Donc, mes gens, quand Kofi Olomide arrive dans la salle, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc, c'était même pas... Il s'est assis là 2 minutes après, il est go, puisque c'est l'apparition. Toi, tu peux payer 17 000 euros à quelqu'un, il vient là, il fait seulement et part. Non, c'était le Ndjor. Donc, partant de là, maintenant, ma soeur des États-Unis, elle me dit que ma foi, je t'ai vu avec les gens de Kofi. J'ai envie, mon rêve, c'est de faire Kofi Olomide aux États-Unis. Elle dit que ne te dérange pas, Kofi va venir. Tant que les bagarreurs de Kintankoute et des Congolais qui bagarrent partout là, c'est comme ça que j'ai donc présenté. Vous comprenez avec quoi? Parce que j'étais sûre que je ne savais pas qu'on allait là. J'ai présenté. Pour dire que, ok, voilà Kofi et tout, il va venir aux États-Unis. Tout était arrangé jusqu'à maman. On a cherché la salle, tout, tout, tout. Kofi est parti maintenant prendre l'argent à un Congolais pour faire une tournée américaine. Après avoir, j'ai les virements bancaires, tout. Les virements bancaires dans un compte en France. Vous avez compris? Il est maintenant venu faire la tournée avec un autre Congolais ici aux États-Unis. Jusqu'à là, comme il a eu les problèmes, on l'a rapatrié, exclu, c'est là. Il y a la plainte qui l'attend. On peut encore retirer la plainte. Il faut qu'il essaie de voir. C'est un père responsable. C'est quelqu'un qui est très gentil. Je n'ai jamais entendu que Fally ne pouvait pas escroquer quelqu'un. Même que le Tchinda, moi je connais le manager direct de Fally. Donc quand les gens commencent à faire que la dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé... Florie, s'il te plaît, je veux un contact de Fally Poupa. J'ai dit que tu me payes 500 euros, te donne le contact. Parce que les gens sont que moi-même, je n'ai rien dans tout ce que vous voyez là. Je n'ai rien. Hein. Je présente les artistes, moi-même, je n'ai rien. Donc, j'ai demandé 500 euros à une personne que donne-moi 500 euros, te donne le numéro. La personne m'a dit que comme quoi, que je n'ai pas donné. Parce que quand c'est pour aller verser les milliards là-bas, vous donnez les milliards. Quand je vous demande, j'ai dit que maintenant, quelqu'un qui me demande... Que un artiste a fait que tu me donnes d'abord quelque chose. Oui, vous les Africains, vous êtes trop comme ça. Oui. C'est comment?
Donc, on n'a jamais entendu que Fali, en passant, je salue Fali, Poupa. Bipez-moi Fali. Fali, merci. Hein. Parce que c'est moi qui étais à Genève avec vous. Ma chambre était au milieu. Fali, Poupa, c'est moi qui étais de la voisine. C'est moi qui étais à la chambre, qui était à côté de ta chambre. Et il y avait Blue Diamond de l'autre côté. C'est moi la fille qui était au milieu, qui disait aux filles qu'ils n'entrent pas dans ta chambre. C'est moi qui faisais la sécurité. Fleur de Lille. Quand les filles ont commencé à venir là, à merder au couloir, que commencé à me déranger pour dormir, j'ai dit que personne ne passe plus ici. C'était moi à Genève. Ta chambre était comme ça, Fali. Jusqu'à quand tu as mangé le McDo, la salade du McDo là, il y avait ton gars de la sécurité qui était devant la porte. C'est moi qui étais la chambre que nous on buvait le vin. C'est moi qui étais là, les champagnes, les tout, jusqu'à ce qu'il y ait un footballeur qui était venu là. Il m'a même choqué. Je ne dis pas le montant. C'est moi qui étais là, parce qu'il y a un footballeur qui est venu, que ma faute, c'est comment? C'était moi. Blue Diamond qui était là-bas, on faisait même son massage, j'entendais comment les gars. Jusqu'à une fille a signé devant la porte d'un artiste. Vraiment, les filles là qui vont dans les conseils, je vous donne les mots. Donc c'est moi, Fali, quand je suis entrée, tu m'as dit, mais tu viens déjà trop ici. J'ai dit, mais attends, je suis la voisine de la chambre, je peux faire plusieurs photos. J'étais là. Et quand Fali a commencé à parler, nous on était là, non? Est-ce que c'est un truc que c'est moi qui étais la chambre au milieu? Et n'oubliez même pas, ah, cette année, le festival en Suisse, c'est Magie System. Je serai toujours à côté de leur chambre. En Suisse, à Genève, le festival, c'est moi qui serai, je serai toujours à côté de la chambre. Donc, c'est moi la fille qui était dans la chambre. Fleur de Lille, la maman. La Camerounaise la plus suivie. La plus voyageuse, j'étais au Qatar. Je suis une voyageuse. Donc, je suis la Camerounaise qui était au milieu. Blue Diamond était ici. Fali était là. Donc, je suis la fille qui empêchait les gars d'entrer là. C'est moi. Mon frère, quand on était en Suisse, les filles sont venues signer. Elles signent au couloir, hein. Carrément, non. Hein? On veut venir dire que, mais attendez, laissez-moi dormir, wesh. Moi, je vais dormir, arrêtez de crier dans mes oreilles. C'est quoi? Une fille est entrée dans la chambre de Blue Diamond, maman. Soit disant les filles, eh, Seigneur, vraiment, on dit comme ça. Où c'est, il est de quel pays, Blue Diamond, là? Un peu Nanja, un Ja, là. Les gens. Elle a entré, elle a duré jusqu'à. Les autres attendaient devant la porte. La gnasse de ça. J'étais seulement là. Une attendait, je vois une fille au couloir. Je dis que, mais qu'est-ce que tu attends là? Tu s'es occupé. On est en train de le masser, il est fatigué. Elle dit qu'elle va attendre. Elle a attendu devant la porte jusqu'à s'asseoir comme ça. Qu'elle attend. Maman, les danseurs de Fali, la gnasse de ça au fil. Elles étaient là en désordre que elles signaient là partout, partout, maman. Comme vous voyez les filles là, qui vont dans les spectacles. Que Tanzanie, hein? Les Tanzanie, maman, les filles là. Hey, elles aiment le bruit, c'est pas possible. Elles aiment le bruit. J'ai dit que Blue Diamond, il a gnassé à tour de rôle. Moi-même, j'étais seulement assise au couloir. Que j'étais là, chaque fille qui entrait. J'étais assise, je disais que je suis la maman. Si je voulais même prendre les tickets d'entrée, je disais que tu me donnais d'abord avant d'entrer. Elles étaient assises là, il a entré dedans, maman. Là, le way, maman la gnasse, la gnasse, la gnasse, la gnasse. Une attendait au couloir. Les gars étaient là, la vraiment, quand tu es star, hein, tu gnasses les gars. George. Les femmes, non, les femmes, vous êtes terribles. Hein? Non, mais vous êtes terribles. C'est quoi? Diamond Platinum, voilà, c'était lui, Diamond Platinum. Maman, les gars s'alignaient, le cognage de ça. Après, on est go en boîte. Les sous, vous avez vu comment on avait tapé à pied, non? On cherchait maintenant là où on devait aller. Et avec un footballeur qui voulait dépenser. Comment faut? Allons, je te donne à boire. Tu veux la journée? J'ai dit que oui. On a marché chercher la boîte de nuit où on va aller dépenser l'argent. J'ai tapé à pied jusqu'à mes pieds. Moi, je suis la maman. Ouais, je suis la mère. Maman, la nuit là en Suisse, hein. Maman, je cherchais, comme moi j'aime les bungalows, j'aime seulement là où il y a les choses, donc je cherchais, je voulais parler. Je suis donc allée avec le footballeur là, et c'est Nchinda, et c'est Rupero. J'ai pris une de mes, c'était une copine.
C'était même qui que j'ai pris comme ça. J'avais pris une fille là. Je sais même qui. Je ne connais même plus. Hein. C'était qui que j'avais pris là qu'on part. C'était même qui. J'ai marché. J'étais avec une fille ou pas. On a marché pour chercher la boîte de nuit. C'était une vieille chouette là. C'était même quelle vieille chouette comme ça. On a marché pour chercher. Je ne sais même plus. C'était même qui. J'étais en Suisse. Tu sais que des fois, je ne connais plus. J'ai dit que allons. On a marché chercher la boîte de nuit en Suisse jusqu'à. On est arrivé là-bas où il y avait Bull Diamond. Parce qu'ils ont dit qu'on part. Les Tanzaniens, les maman, c'était. Il y avait les Njanjara enfants, les petits enfants. Je ne suis plus moi habituée à aller là où il y a les petits enfants. Je suis une vieille mère. Donc, quand ils sont arrivés en boîte, là, j'étais jeûnée. C'était les petites filles là. Hey, non, 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 non. Pour faire la queue, dès que nous sommes arrivés, on a dit qu'on fait la. On avait le pro, maman. On a dit que le pro est là. La sécurité, mais c'est un professionnel. Laissez-le entrer. Blue Diamond, allez-y. Nous, on est entrés, maman. J'étais seulement derrière les grands. C'est comme ça que nous sommes entrés, maman. Arrivés à l'intérieur. Il y avait les Jangaras enfants, les petites filles là. Non, non, non. J'ai dit que non, moi, je ne suis pas habituée. Moi, j'aime aller dans les snacks, là-bas où on chante là. J'ai déjà dépassé là de boîte de nuit. Je suis restée là. J'ai seulement dit au pro là que le pro, vraiment, ce n'est pas trop mon milieu. Moi, je vais rentrer dormir, vraiment. La qualité de boîte de nuit, la qualité, c'est là, non. J'étais jeûnée. J'ai dit que non, il y a trop les petits enfants ici là. Elles sont là avec la boisson. Elles sont là, elles crient dans les. Non, non, non. J'ai dit que je rentre. C'est comme ça que je suis rentrée. Vous avez vu, non? Quand je suis rentrée, j'avais mes dollars. On m'a choqué. J'ai dit qu'on m'a dit que chut, ma faute. Je n'ai pas moi dit. Ah, quand on me choque, que ne parle pas, je ne parle pas. Je ne sais même pas avec quelle fille je traînais le jour là même. Je traînais même avec quelle fille. Je ne sais même plus. Ensuite, ça va, j'ai traîné même avec quelle fille là-bas. Je ne sais pas. J'étais arrivée là-bas, j'ai commencé, ah, on a marché et tout, bref. Donc, j'étais juste en train de dire que, de dire à Kofi Olomide, de rembourser les 100 000 dollars de la fille camerounaise. Parce qu'elle a pris les dettes, elle s'est endettée, elle a pris la salle. Que 100 000 dollars pour lui, c'est rien, c'est un milliardaire, c'est un père de famille. Là, il a parlé, il fait son shopping, il fait son Facebook, il filme et tout. Il fait son Facebook là-bas, il filme ces choses, qu'il entre dans les balmains, il entre partout, il achète les choses et tout, une Camerounaise pleure son argent, on fait comment? Ce sont eux qui transportent les valises d'argent de l'Afrique à ici. Les gens ont l'argent en Afrique, le liquide, mais le blanc ici, on n'entre pas avec l'argent liquide, tu vas dire que tu pars où avec? C'est pour ça que beaucoup ont l'argent en Afrique, ils dépensent là-bas, ils ne savent pas quoi faire avec. Parce qu'on ne peut pas dépenser ce genre d'argent. On ne peut pas. Ici, tu ne dépends. Même lui-même là, il ne peut pas dépenser. Même lui-même, Kofi, il sait que son argent même, il ne peut rien acheter en France à son nom. Parce qu'il sait qu'on va saisir tout. Dites-lui de partir sur tout ce qu'il a comme argent. Il donne l'argent de la fille camerounaise. Si moi, je n'étais pas devant pour faire la présentation parce que... Qui m'appelle? Oui, oui, allô? Oui, ça va et toi? Oui, je sais, non? La dernière fois, tu voulais me gnager, puis ça m'a trop. J'ai été déçue parce que tu as cherché à me gnasser. Quand j'étais venue à New York. Quand tu me disais que tu me retrouves à mon hôtel, c'était pour quoi? C'était pour boire, hein? Tu étais avec ton ami, non? Vous voulez me faire la tousse pas ou quoi? Je ne suis pas sauvage. J'ai dit, quand tu me dis que tu vois une fille à New York, je sais que tu es responsable, mais quand tu étais avec ton ami, quand on te retrouve à ton hôtel, vous êtes deux. C'était pourquoi? Jusqu'à pour venir boire seulement le vin. Je sais, non, gars. Est-ce que tu peux me gnasser? Je sais, non, ouais. Pardon. On fait comment? Alors, tu me perds le billet d'avion. Non, je crois que j'ai un futur, c'est que moi, j'ai peur de la gnasse. Je te dis, hein, depuis. Je sais, tu es un grand patron. Non, je sais, non, je sais, non, je sais, non. Tu sais que moi, quand un gars me dit que je viens à ton hôtel, moi, j'ai moi peur. Tu sais que je suis vierge, mon gars. C'est comment alors? Ouais, envoie-moi Z, non. Envoie-moi quelque chose, fais le shopping, non. Envoie-moi même 1000 dollars, non. Qui m'a envoyé le shopping, mon frère? Envoie-moi même 1000 dollars, non, mon frère. L'argent, c'est quoi pour toi? Donc, tu vas salir ton nom comme ça. C'est comment? Tu m'invites? Tu es dans quel état, là? Hey, tu es à Miami. Je fais une croisière en février. J'arrive à Miami. Tu me payes mon billet, je viens à Miami là.
Non, parce que tu fais souvent les trucs. Tu me fais venir à Miami. Tu donnes l'argent d'abord à ma soeur là, parce que toi, donne l'argent là-bas. À la personne que tu connais là, non? Donc, tu as touché le gros lot, hein? Envoie-moi. Mais lave mon cœur, oui, dis-moi. Je connais, non? Ouais, est-ce que tu es un pauvre? Tu connais, non, gars? Est-ce qu'en Europe, les gars ont quoi? Est-ce que les pauvres gens qui mangent les ailes de poulet dans le 17e, est-ce que tu es un gars que les gars aux États-Unis, je vous respecte, vous êtes des patrons. Est-ce que c'est les histoires des gens qui mangent les riz sautés à Paris, là? Ici aux États-Unis, c'est 2 dollars. Comment? Franchement, c'est comment? On fait comment alors? Oui, je suis à Atlanta. Je vais à Atlanta aujourd'hui. Il est même quelle heure? Là, je suis à DC. Je suis à Maryland, là. Ah bon? Mais la dernière fois, quand tu es venu à New York, là, j'ai senti que tu étais foiré, mon frère. Tu étais foiré le jour-là. Quand tu étais venu à... Une fois, là, tu m'as amené faire le shopping. J'ai senti que le foiré t'avait touché, là. Coco. Tu n'as jamais été foiré. Le gars que tu m'as vu, c'est pas mon gars, hein, parce que vous aimez toujours quoi que vous dites même que... Ah, mais moi, franchement, je ne sors pas avec les gars, là. Voilà, il était avec sa femme, non? Est-ce que moi, je suis... Est-ce que moi, Quand tu m'avais dit que je croyais que tu avais saoulé, quand tu m'as dit que viens boire le whisky à ton hôtel et que tu étais avec ton pote, j'ai eu peur que... Car quand il est là-bas, il peut être en train de dormir, tu cherches à m'ignasse, comme moi-même, je bois. C'est qui fantasme sur moi? Donne-moi son nom. C'est quel pas? Ah, il fantasme sur moi depuis des années. Un gars de New York. Ah! Donc, il cherche... Il pleure que quoi? Il cherche à me voir. Il travaille quoi dans la vie? Dis-moi d'abord, dis-moi les histoires des femmes en l'ingénieur. Franchement, il travaille. Donc, il n'a rien. Donc, vous voyez seulement que... Ah, laisse ça. Dis donc. Mon frère, envoie-moi Z, non? C'est comment? Et t'envoie le numéro. D'accord, mon frère chéri. Non, envoie, non, envoie directement ici, non, gars. Je suis quand même quelque part. Comment tu vas contourner au Texas pour que ça arrive à me trouver? Je t'envoie un numéro, tu me fais Z sur ça. Oui. Ok, mon frère. Pourquoi vous aimez, pourquoi moi, votre soeur, vous aimez toujours, mais c'est quand c'est les wakas, les prostituées, vous donnez beaucoup. Quand c'est moi, votre soeur. D'accord, envoie alors ce que tu as, mon frère. Non, reste maintenant seul, mon frère. Si tu veux même une bonne femme, je te trouve une femme en bain. Non, je vais te trouver une bonne femme. J'ai même, mais ne la manque pas, hein, mon frère, pardon. Je vais te trouver une bonne femme. Je vais te trouver une bonne femme pour le mariage, comme tu es même très beau là. Je te promets, c'est... Mais on m'avait dit que tu vis avec une fille ici aux États-Unis, non? C'est déjà fini. Ok, ça va, je vais te trouver... Compte sur... Je vais te trouver une vraie fille, vraiment. Je vais te trouver une bonne femme. Ah, tu as dépensé sur elle, n'est-ce pas? Donc, moi, tu me donnes 500. Franchement, tu sais quoi? Reste avec tes 500 dollars. Donc, tu as dépensé sur la fille là comme ça. Moi, tu veux seulement me donner 500 dollars. Oui, mais si tu peux me donner l'argent de plus, donne-moi même 1000 dollars, non, mon frère. Franchement. $500, ça peut même m'acheter quoi, mon frère. Pourquoi vous pensez toujours que moi, je... D'accord. Ok, mon frère. D'accord, mon frère. D'accord, mon frère. D'accord, mon frère. Ah, tu es mon frère, non? Ouais.
Tu es mon frère, je vais trouver ta femme. Ne cherche plus les filles du Cameroun là. Les filles du Cameroun là, les bordels. Tu as compris? Elles ont les shows partout, dans tous les pays. Elles ont les gars. Je vais te trouver une bonne femme en France. Une fille qui a tourné jusqu'à ce qu'elle cherche ses mains là où elle va se reposer. Tu as compris? Mais oui, non. Tu veux que je te trouve. Je vais te. Que quoi? Tu ne veux pas une fille qui a bien roulé sa bosse? Tu ne veux pas le genre de femme. Mon frère, tu ne veux pas une femme qui a trop. Donc, tu veux un compteur bas. Cherche au Cameroun. Elles ont les compteurs plus élevés que les filles de Beng. Je ne cherche plus les femmes. Okay. Je te trouve ta femme en France qui a un compteur bas. Les filles du pays, elles niassent tout partout. Je te trouve une bonne femme en Europe. Tu veux une fille de quel pays? J'ai une Ivoirienne là qui est très bien. Non, là, je vais te trouver. Tu veux une entière? Une entière pour toi, d'accord. D'accord. Mm-hmm. Une bonne entière, ok. Mais tu vas quand même bien mettre les dos sur elle. Hein? Mm-hmm. Non, je te trouve une bonne personne. Première rencontre, je l'accompagne, t'inquiète. T'inquiète. Ne te dérange, tu trouves une fille qui n'a jamais même fait. Une fille qui est clean, qui ne niaise pas. Une bonne fille qui n'est pas dans les histoires de boire le vin. Une personne qui ne boit pas le vin. Les filles qui boivent partout, partout là. Le compteur, ah, tu veux une fille qui a le compteur moins élevé. Ah non, je vais te trouver une bonne fille sans compteur. Responsable. Non, je te trouve une fille responsable qui a sa vie, qui a un compteur bas, qui n'est pas. Ouais. Mais tu cherches même un 40 000 euros et commences un business en France. Est-ce que c'est que tu comprends? Ne parle plus à personne, te trouve ta femme. Fais-moi confiance. Je te dis que ne dis plus rien. Je te trouve ta femme, elle reste en France aux États-Unis. Tu as compris? Tu n'as pas confiance en moi, mon frère. Quand je te dis que je vais te trouver une vraie femme. 800%, elle est en Europe, tu es là-bas, tu t'occupes bien d'elle. Chacun est dans son coin. Vous vous voyez, quand tu veux la voir, elle vient te voir. Parce que celle du pays que tu as dépensé l'argent sur elle, là, elle est toujours là, franchement. Mon frère, je suis contente de t'avoir. Non, je vais même aller la doter pour toi. Hein. Pour ta femme, ne te dérange pas. J'organise tout. C'est bon, mon frère. Je t'embrasse. Donc, tu envoies mon truc là, non? Atlanta, j'arrive aujourd'hui, ce soir. Oui, d'accord, mon frère. Bisous, je t'embrasse. Je t'aime, mon frère. C'est ta grosse voiture comme ça. Hey, okay, tu as encore changé de voiture, maman, les Américains. Hey, okay, tu as encore changé de voiture. Dernier, je veux papa, tu connais. Hey, ta femme là sera heureuse. Hein? Merde, non, 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 papa, non, tu vis bien. En plus, tu as Miami. C'est même à côté de là où nous on va aller. En Guadeloupe. C'est à côté de Miami, ouais. 1h30. Non, tu as déjà ta femme. Tu as déjà ta femme. Tu as ta femme. Tu peux compter sur moi. Tu as compris, non, mon frère? Ou bien tu voulais une fille du village? Les villageoises du village, pardon. Hey, waouh, waouh, waouh. Oui, et tu l'as bombardé. Yeah, waouh. C'est pas grave, mon frère, même si tu as les enfants, c'est comment? Et puis, oui, un enfant, ça va. Tu es un gars qui a trop d'enfants, là, vraiment. Nous, on ne veut pas le. Non, tu as. Hein, c'est bon, ton enfant, ce sera notre, son enfant, non, mon frère. Hein? Pas une villageoise, c'est une fille qui a l'esprit ouvert. Hein? D'accord, mon frère, dès que j'arrive là-bas, je t'appelle. D'accord, mon frère, je t'embrasse. Je dois aller à l'aéroport, on m'appelle.
Mon frère, Atlanta, il dit que la façon qu'on m'appelle Atlanta, là, on a peur qu'elle soit en retard à l'aéroport. Ouais, okay. On a peur qu'elle soit en retard à l'aéroport. Good morning. Hello, my dear. Et... Ah, d'accord, maman. Ok. Oui. D'accord, ça marche. Voilà, c'est ça. D'accord, ma soeur. Thank you. Ok, tout à l'heure, merci. Bon, les gens. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'étais en ligne quand tu m'as appelé. J'étais en ligne. Je suis là, je suis à Maryland. Bisous. Il y a encore le temps. D'accord, chérie. Comme il y a encore le... Joe Biden. Dans mes cœurs, c'est comme on tape juste sur le divan. Je n'ai rien à dire. Moi, je voulais parler de Kofi Olomide. Mais on m'a appelé pour dire que... Il a appelé là pour dire que ouais, son nom sur Facebook. Mais il faut qu'il sache seulement qu'il n'y aura que son nom sur Facebook. Avec son fils là. Sa personne. Parce qu'il n'appelle pas ça son fils. Sa personne. Je n'ai pas envie d'entrer dans vos vies privées. J'ai déjà trop de problèmes. Mais pardon, rembourser la femme là. Rembourser la femme là. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je n'entre pas dans les détails. Le prochain direct que je vais faire. C'est dans 2 semaines. Je vais faire un direct et je vais mettre les preuves, tout sur Facebook. Je n'ai pas envie d'en arriver là parce que c'est un artiste que je respecte beaucoup. Kofi, c'est un père de famille. C'est quelqu'un de bien. Je vous ai expliqué un peu comment il est arrivé là-bas au truc. Pas gentiment. Parce que c'est quelqu'un qui aime aussi s'amuser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on tape le divers. On finit dans l'autre là. Bon, on va parler de quoi maintenant? Ok. Je vais. Maman Perpé, ma soeur chérie, ma copinou. Love you. J'ai reçu ta troisième vidéo pour la première dame. Je vais te montrer comment faire une vidéo pour envoyer à la première dame du Cameroun. Ne croise pas les pieds. Dans 10 minutes, ok. Maman va à l'aéroport dans 10 minutes. Maman Pépé, ne croise pas les pieds comme ça. Quand on parle à la première dame, on ne croise pas les pieds. Parce que quand on croise les pieds, c'est un manque de respect à une personne âgée. Surtout quand on quémande. Je vais te montrer comment faire la vidéo pour la première dame du Cameroun. Dans plusieurs façons, tu vas choisir. Sois relax, quoi. Miondo, c'est comment? La personne qui veut appeler sur mon numéro pour dire comment faire une vidéo pour la première dame du Cameroun, appelle sur mon téléphone, sur WhatsApp. 0033 6 79 40 59 92. 0033 6 79 0033 6 69 40 59 92. Je commence ma part. Bonjour, madame. Et bois un peu. Il faut croiser les mains. Bonjour. Bonjour, maman Chantal Bia. Bonjour, notre mère. Je sais que tu me suis et que tu envoies souvent les cœurs. Je sais que tu m'aimes beaucoup. On m'a toujours dit ton entourage et que ton entourage me suit.
Bonjour, si tu fais comme ça va être comme si tu étais trop triste, non? Bonjour, maman Chantal Bia. Je m'appelle Mafo, Fleur de Lille. Je sais que tu me connais déjà. Je suis blogueuse. Je travaille. Non. Bonjour, maman. Bonjour, maman Chantal Bia. Bonjour, notre mère. La mère du Cameroun, la mère du peuple. Je m'appelle. Bonjour, maman Chantal Biya. Bonjour, la première dame du Cameroun. Bonjour, son excellence. Bonjour à tout le monde là-bas, à la présidente. Bonjour à maman bébé, la gouvernante de la première dame. Bonjour, maman bébé. Je sais que tu es une femme très gentille, que tu es une femme très aimable, qui aide beaucoup les Camerounais. Je m'appelle Fleur de Lille Lamafo. Je suis sur Facebook depuis longtemps. Je suis mère. Je suis mère d'un enfant. Il n'est pas métis, c'est 100% camerounais. Il est de Ndom. Je suis née en Ndobat. Je suis de Tchan. Mais j'ai grandi en Ndobat. C'est un quartier vers le carrefour à Gypse, à Douala. Je ne sais pas si tu connais maman Chantal Biya. C'est un quartier entre Mbopi et la cité Sik. C'est là-bas que j'ai grandi. Je suis venue en France. Maman Chantal Biya, je me suis débrouillée. J'ai supporté le mariage avec le blanc jusqu'à j'ai eu mes papiers. Maman Chantal Biya, je suis sur Facebook. Je dénonce. Je fais la dénonciation sur Facebook. Je fais la sensibilisation pour les problèmes du Cameroun. Je dénonce. J'ai mon projet. J'aimerais ouvrir un shopping et ouvrir aussi une télé. J'ai aussi le projet. Je suis suivie par beaucoup de Camerounais. J'ai aussi mon projet d'ouvrir la télé sur Facebook et de vendre aussi les habits. Maman Chantal Biya. Je t'envoie cette vidéo pour te demander ton aide, si tu peux m'aider, pour que je puisse m'en sortir et rentrer au Cameroun faire quelque chose. Mon père était déjà mort. Je n'ai pas de père. Je suis orpheline. Orpheline de père. Je n'ai personne là-bas au Cameroun. Mais maman Chantal Biya, comme tu es la mère de tout le Cameroun, je sais que tu es là. Maman Chantal Biya, je suis sur Facebook, je dénonce. Je ne peux jamais faire du mal à un Camerounais. Je n'ai jamais fait du mal. Je ne connais pas le mal. Je ne connais pas le mal, maman Chantal Biya. Pardon la mère, pardon maman. Voici ma vidéo que je t'envoie pour te dire que pardon. Aide-moi. Je ne suis pas mariée, mais je suis dans le mariage. Je supporte aussi un Camerounais ici. Je supporte un Camerounais ici. Depuis, il me tourne aussi qu'il va m'épouser. Il me tourne. J'attends maman Chantal Biya. Pardon là, mais aide-moi pour que je puisse sortir de cette situation. Cette situation qui me dérange. Je suis mère. Je suis mère. Merci. Au revoir maman. C'était bien. C'était bien. La vidéo, j'envoie comme ça. Je peux envoyer? Non, que je n'envoie pas comme ça. Ok. Bonjour Moja, bonjour Bambam Kiri Anna, Bambam Kiri à maman Chantal. Oui, maman Chantal, je suis mère de deux métisses. J'envoie cette vidéo, j'ai mon projet du restaurant. Pour le moment, c'est l'Ouganda que j'ai. Maman Chantal, notre mère. Non.
On m'insulte tous les jours que je bois le vin. J'ai envie de les prouver. Je suis Boulou de San Melima, en Awam. Pardon, maman Chantal. J'ai mon projet. Je compte sur toi pour m'en sortir. Mon mari était mort. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. On m'insulte partout ici que je n'ai rien, que je suis pauvre. C'est vrai, je suis pauvre. Pardon, aide-moi. J'ai supporté le président de la République ici, sur Facebook. Tout le monde m'a insulté, mais je suis avec vous. Pardon, je ne peux même plus sortir, je ne peux même plus marcher dans Paris. Il y a la brasse. Je suis la seule qui soutient. Il y a la brasse qui me menace tout le temps. Maman, pardon. Voici ma vidéo. J'ai deux enfants métis. Non. J'ai trois. J'étais aussi enceinte avant que l'enfant est parti. Oui, sinon je devais avoir deux enfants métis et un enfant noir. Mais celui-là, le noir est parti. Il est parti depuis. Voici ma vidéo. Merci. J'envoie. C'est bon. S'il vous plaît, je peux envoyer comme ça. Non, je... Voici maman Pépé qui vient avec sa part. Bonjour maman Chantal Bia. Je suis la compresse. Bonjour maman Chantal Bia. Je suis la compresseur. Je suis la copine de Mafo qui t'a salué. Maman Chantal Bia, notre reine, notre mère, je suis la mère des orphelins, j'ai toujours œuvré dans l'humanitaire. Tous les jours, on me traite de mendiante. On me traite de quémandeuse sur Facebook. Je suis le 10. Tous les jours, on me traite de mendiante sur Facebook. Je vais aider les orphelins du Cameroun. J'ai même aidé au Maroc. Maman Chantal Bia, mon projet c'est le restaurant. Je sais préparer. Si tu vois comment... Maman Chantal Bia, c'est que tu envoies les cœurs quand je prépare pour Doudou tout le temps. Je braise le poisson tout le temps. Maman Chantal Bia, tout ce que je sais faire, c'est la cuisine. On m'insulte tous les jours ici sur Facebook que je quémande. Maman Chantal Bia, pardon, aide-moi pour que je ne quémande plus. Pardon. C'est bon, j'envoie. Pardon, maman Chantal Bia, j'ai été en Kondengui. J'ai même offert les choses là-bas. Je ne sais pas si... Oui, je sais que tu avais reçu la vidéo. Si tu m'aides, maman Chantal Bia, je vais tourner. Tu peux même m'aider avec ma copine. On ouvre le restaurant à deux. Oui, on peut mélanger, c'est ma copine. Maman Chantal Bia, j'ai fait la paix. Pour toujours. Maman Chantal, je sais que... Maman Chantal, j'ai trois enfants. Oui, j'ai trois. J'ai élevé une jusqu'à elle à l'université. Elle est même déjà en couple. J'ai encore un qui est là, la dernière. Et puis j'ai encore l'autre. Maman Chantal, pardon, aide-moi. C'est bon, on envoie. Hein? Je m'en vais à l'aéroport. Bisous, non? Ok, on va recommencer. Non, ce n'est pas bon. J'envoie alors pour la reine, mais... J'envoie alors pour Mafo. Bonjour, maman Chantal Bia. Bonjour. Oui, je suis Mafo, le 9 de Facebook. Je suis là depuis... Je suis là depuis 2000. C'est moi la première. J'ai commencé sur Facebook. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là. Maman Chantal Bia, les autres passent, les Ivoiriens évoluent, je suis toujours sur place, les Camerounais m'insultent que je n'avance pas. Maman Chantal Bia, mon projet, je me suis toujours débrouillée. Maman Chantal Bia, je suis sortie des clashs, depuis je n'insulte plus personne, c'est les filles-là qui m'ont publié. Maman Chantal Bia, les filles-là font même les coups d'état manqués sur moi. Et est-ce que je dois raconter tout ça? Non, ce n'est pas bon. Essayez là pour savoir ma vie. Bonjour, maman Chantal Bia.
C'est la reine Mema Faux. Bonjour, Fleur de Lille. Je suis sur Facebook depuis. Je suis la number uno. 40 ans sans partage. Le pouvoir. J'ai déjà voyagé beaucoup. J'ai soutenu la CAN. J'ai payé mon propre billet d'avion. Je suis allé soutenir la CAN au Cameroun. Jusqu'à quand vous avez vu, j'étais en train de pleurer. Et on ne doit pas la première dame. Jusqu'à la première dame, quand vous avez vu que je pleurais mes 11 000 euros là, j'étais venu soutenir les lions indomptables. J'ai payé mon billet. Moi-même, je suis venu pour soutenir mon pays. J'ai tout soutenu mon pays. Je suis une patriote. J'ai prouvé. Maman Chantal Biya, j'ai ouvert ma société. Les vampires de Mbeng m'ont mis les bâtons sur les roues. J'ai créé ma marque. J'ai dépensé 200 000 euros. Elles m'ont mis les bâtons sur les roues. Maman Chantal Biya, j'ai été traumatisée. Depuis, je suis aussi là comme ça, là. Je tourne ses mains comme ça. J'aimerais encore refaire quelque chose, maman Chantal Biya, mais je n'ai pas le capital. Même mes fans me soutiennent beaucoup. Il y a d'autres qui disent que qu'ils m'ont déjà trop aidé. Je ne comprends pas l'aide là. Maman Chantal Biya, je ne comprends pas l'aide qu'ils disent qu'ils m'ont trop aidé. Je passe ma vie sur Facebook tout le temps, tout le temps. Quand je ne suis pas là, ils me cherchent. Quand je demande quelque chose, ils disent que je demande l'aide. Maman Chantal Biya, je remercie mes abeilles. Et que, non, il ne faut pas qu'elle parle des abeilles. Je ne vais pas lui dire que je remercie mes abeilles. Est-ce qu'elle a besoin de savoir ça? Ouais. Je m'en vais à l'aéroport. Bisous, je vais me concentrer. Je m'en vais à Atlanta. Bisous, on va refaire ça après, non? Bisous les cœurs. Bisous, non, bonne journée. Bisous. Bye bye.